Good morgen, allez, Iden et Sussra, aujourd'hui, l'Elo Nishmat, Moshe, Michael, Ben Aline, Machalan, Rachel, Peggy, Bat Esther, Robert Baruch, Ben Jamil, Tara, Bakohen, David, Ben Zorton, Zel Fredna, Lucien, Batraina, et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechet Sota, Perek, Dalet, Mishnah, Alef. Arusa, Veshomeret, Yavam, Lo Shotot, Velo Notlot, Ketuba. Shene, Emar, Asher, Tiste, Isha, Tachat, Isha. Prat la roussa bechomeret yavam. Almana le kohen gadol, grusha vachalosa le kohen idiot, mamzeret untina le Israël, bat Israël le mamzer ou le natin, lo shotot, velo notlot ktuva. On va commencer maintenant dans notre chapitre un nouveau sujet, à savoir définir quelles sont les femmes qui, lo shotot, velo notlot ktuva, qui ni elles peuvent, ni qu'elles ne boivent pas, et qu'elles sortent, elles se font renvoyer sans ktuva. C'est-à-dire, on va parler de plusieurs situations en fait de maris qui vont avertir leur femmes ou plus ou moins femmes, comme ce qu'on va voir, des femmes qui ne sont pas encore franchement leurs femmes, ils vont les avertir de ne pas s'isoler avec un tel. Parce qu'ils les ont avertis, elles vont leur devenir interdites, mais malgré tout, il ne pourra pas les prendre pour les faire boire au Bet HaMikdash. On va commencer avec le premier exemple, on va mieux se comprendre. La première, c'est Arusa Veshomeret Yavam, une fiancée. Vous savez, c'est quoi une fiancée? On a déjà évoqué le truc, la situation. C'est à l'époque. Aujourd'hui, sous la choupa, on fait deux étapes, Kiddushin et Nisuin. On commence d'abord à donner la tabat, avec ça on acquiert la femme. Depuis ce moment-là, on crie tous « Mekoudeshet » parce que la femme, elle est devenue Mekoudeshet. Mekoudeshet, c'est-à-dire qu'elle est fiancée, selon la Torah. Les fiançailles qu'on fait à notre époque n'ont aucune valeur. Baruch Hashem, que ça se passe comme ça. Parce qu'il faut bien comprendre que si un homme donne une bague à une femme, en lui disant « Arrête Mekoudeshet li », dès lors, même cette fiancée-là va prendre un statut de femme mariée, concrètement. Si elle va avoir un rapport avec quelqu'un d'autre, elle va avoir des enfants. Mamzerim, chas v'chalila. Ça signifie que si jamais on faisait les fiançailles, et qu'après, on faisait le mariage, ensuite le mariage, c'est une fois qu'on fait la cérémonie avec les Shabbat Brachot, pour qu'après, ils vont commencer à s'isoler et vivre ensemble, comme un couple marié. Imaginez qu'on laissait, à l'époque, on laissait comme ça 6 mois, 1 an, entre les deux, depuis le monde a fait les fiançailles et que c'était devenu sa femme, concrètement, et jusqu'à après qu'il se marie et ensuite qu'il allait vivre avec elle, si jamais pendant cette période-là, la femme avait un quelconque écart de quoi que ce soit, et ça pouvait arriver, et ça arrivait même, Chas v'Shalom, eh bien ça fait des enfants mamzerim, c'est une catastrophe, la femme elle lui devient interdite, ils ne peuvent plus rester ensemble. D'accord? Du coup, on a aboli cet usage de faire des kiddushin longtemps avant, aujourd'hui on fait tout sous la choupa. Mais à l'époque, on faisait les kiddushin, on se fiançait, et puis quelques mois après, on faisait les Nisuin, on la choupa. Et on se marie, après on commence à vivre ensemble. Pendant toute cette période-là où la femme n'est pas encore Tachat Isha, elle n'est pas encore sous la tutelle de son mari, concrètement, elle est son bien, mais pour le moment, le mari n'a pas de devoir de la nourrir, il n'a aucun engagement, il n'a pas écrit, il n'a pas encore fait de Ktouba avec elle. Elle est juste, sa femme, elle est acquise pour lui pour le moment. Durant cette période-là, si jamais le mari voit que la femme, sa fiancée en fait, elle a une tendance à un peu trop être trop familière avec Plony. Réhouven, le mari, il peut avertir sa fiancée, je t'interdis de t'isoler avec Réhouven. Si jamais cette femme, cette fiancée-là, elle va s'isoler avec lui, le mari ne pourra plus jamais se marier avec elle, mais il ne pourra pas non plus l'amener boire au Bet HaMikdash. Pourquoi il ne peut pas l'amener boire? Parce que la Torah a insisté après, à la fin de la parasha de la Sota, hein, tel sera le rituel qu'il faudra faire. Asher tisté isha tachat isha, lorsqu'une femme aura eu un écart, une isolation, tachat isha, alors qu'elle est sous la tutelle de son mari. Or là, elle n'est pas sous la tutelle de son mari, il peut pas le donner à boire. Idem pour la Shomeret Yavam. Shomeret Yavam, on parle de quoi? Il y avait deux frères, Reuven et Shimon. Reuven est mort sans enfant. Shimon a la misa de faire le yiboum à sa belle-sœur, se marier avec elle. Maintenant, lorsqu'il est en train d'attendre pour le yiboum, il voit que cette belle-sœur-là, elle a une tendance à un petit peu être trop familière avec un tel, avec, qui vous voulez, c'est Jerry Winchman, allez, avec, je sais pas moi, Moshe. Alors elle interdit, elle lui dit, tu t'isoles pas avec Moshe. La Shomeret Yavam, elle est partie, elle s'est isolée avec Moshe, elle lui devient interdite, il ne pourra plus faire le hiboum avec elle, il devra lui faire forcément la Khalitsa. Il ne pourra pas l'amener au Bet HaMikdash pour boire, parce que ce n'est pas encore sa femme, elle a toujours insisté sur... Une femme qui est sous la tutelle de son mari, là, elle n'est pas encore sous la tutelle de son mari. À la différence par contre que si jamais je vais avertir une femme qui n'est pas encore la mienne, je t'interdis de t'isoler avec un tel, et elle s'isole quand même,
Et après, j'ai envie quand même de me marier avec elle. Je pourrais me marier avec elle parce que lorsque je l'avertis, c'était pas ma femme. Vous avez compris le principe? C'est ce qui se passe. Aroussa veshomeret yavam, une fiancée ou encore une shomeret yavam, une femme qui est en train d'en en attente de son qu'on fasse le hiboum. L'oshotot velonotlot ketouba. Ni elles boivent, ni elles font la, ni elles reçoivent une ketouba. C'est-à-dire, si le mari l'avertit, enfin le mari, le fiancé, le yavam, il a averti la femme et elle s'est isolée. Cette femme-là ne pourra pas aller boire au Beth Amikdash pour une fille qu'elle n'a pas fauté. Mais Vlonotelok Touba, malgré tout, il la libérera sans lui donner de Touba. Parce qu'elle a eu un écart. Elle s'est isolée. Shene'emar, comme dit le verset, Ashartiste Isha Tachatisha. Comme le pasuk nous dit que la femme aura un écart sous Tachat Isha, sous la tutelle de son mari. Prat la Arusa, Veshomer Yavam, à l'exception de la Arusa. Et de la Shomer Yavam, de la fiancée, et de la Shomer Yavam, la femme qui est en instance de Yiboum. Ensuite, autre situation encore où on ne pourra pas faire boire la femme, on va voir une série de cas où il y avait des mariages interdits, mais qui fonctionnent. Vous savez, dans les mariages interdits, il y a plusieurs niveaux de mariages interdits. Il y a des mariages interdits que même si on veut, on ne peut pas se marier. Même si je vais vouloir me marier avec ma sœur et lui donner des kiddushin et tout ça, ce n'est pas ma femme. Alors que si j'ai une femme qui est interdite à moi de me marier avec elle, parce que ça peut être une mamzeret. Et que moi je suis un bon juif, et je peux pas marier avec une mamzeret. Ou parce que je suis un Kohen, et que c'est une divorcée, ou c'est une Almana ou Kohen Gadol, et tout ça. Donc, tout ça, c'est des relations qui sont interdites. La Torah l'interdit de se marier. Mais si on donne des kiddushin et qu'on vit avec elle, elle est concrètement mariée, la madame. D'accord? Dans toutes ces situations-là, on va voir, on va les évoquer une après l'autre, mais en tout cas, dans toutes ces situations-là, le mari, ensuite le Kohen, on va prendre un Kohen qui était marié avec une divorcée. Il a averti sa femme, maintenant je t'interdis de t'isoler avec un tel, et elle va s'isoler. Le mari, le Cohen, ne pourra pas prendre cette femme, elle a mené au Beth Amikdash pour boire. Parce que le but de la sota, qui va boire les eaux de la sota pour vérifier si elle a fauté ou elle n'a pas fauté, c'est qu'elle regagne la tutelle de son mari. Et si elle lui est interdite de toute façon, alors on n'a pas lieu de favoriser ça, la Torah n'a pas donné la permission, la possibilité de passer le nom d'Hachem pour la faire boire, les eaux de la sota ne vont même pas la vérifier. Et c'est ce que la Mishnah me dit comme ça. Almana le Kohen Gadol, une femme Almana, une veuve qui est mariée au Kohen Gadol. Parce que le Kohen, il a le droit de se marier avec une veuve, mais pas le Kohen Gadol. Almana le Kohen Gadol, une veuve mariée au Kohen Gadol, ou bien une Grusha vechalotza le Kohen Idiot. Une femme divorcée ou une femme qui a fait la Khalitza, c'est un interdit de commune banane, mais c'est pas le problème. Une femme qui est divorcée, donc pour le Kohen Idiot, pour n'importe quel Kohen. Mamzeret ou Netina, les Israël, ou encore une femme qui est Mamzeret, qui est une bâtarde. Ou une Netina, c'est un peuple aussi, il y a eu des problèmes là-bas, on ne sait pas qui était marié, qui n'était pas marié. Des grands sphécotes qui ont fait que maintenant cette femme-là, elle est devenue interdite, c'est une Netina. Une Givonim. On n'a pas le droit de se marier avec eux concrètement, c'est des Givonim. C'est un peuple qui avait une histoire, toute une histoire avec Yoshua, qu'ils ont trompé. On a décrété que ce peuple-là, on ne se marie pas avec eux, ils deviennent comme nos esclaves. Et même quand ils sont convertis concrètement, ils ont un statut de juif, mais de Natin. Alors, pour tout cela, ou encore, ou bâtisserait les mamzer, ou le natin. Cette fois-ci, c'est le mari qui était un mamzer ou qui était un natin, et qui se marie avec une bâtisserie tout à fait normale. Dans toutes ces situations-là, c'est un mariage qu'on n'a pas le droit de maintenir. Si le mari l'a averti, et qu'elle a eu, malgré tout, elle s'est isolée, et on veut la vérifier, eh bien, lo shotot velo notlot ktuba. Ni elle boivent, ni elle reçoivent une ktuba. En théorie, si un mari. Un Kohen qui s'est marié avec une veuve, il a l'obligation de divorcer. S'il la divorce, il doit lui donner la ktouba. Là, cette fois-ci, si elle s'est isolée, il ne lui donnera pas la ktouba parce qu'elle s'est isolée. Mais il ne pourra pas non plus l'amener au Beth Amikdash pour vérifier parce que les eaux de la sota ne vérifient pas une femme qui est de toute façon interdite à maintenir. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Se'elah.